Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, encore une fois vidéo Pokémon, vous l'avez vu au titre et à la miniature, mais vidéo un petit peu spéciale, pourquoi? Parce que j'ai réussi à dénicher des boosters les gars, en vrai c'est what the fuck. Les boosters du film Détective Pikachu. Je sais pas pourquoi je vous montre là alors que j'ai une thème ici, voilà. Détective Pikachu les amis, voilà, j'ai réussi à en choper une vingtaine. What the fuck, c'est complètement incroyable. Alors dedans, je sais pas exactement ce qu'on peut choper, mis à part du Pikachu détective, il y a aussi du Dracaufeu. Il y a deux cartes par booster. Regardez, il y a deux cartes par booster. Improbable. Clairement, du coup, je me suis dit, ça peut faire une petite vidéo originale. On peut voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On peut y découvrir des choses. Avant toute chose, on n'oublie pas quoi? Les petits pouces en l'air, les abonnés dans les commentaires. C'est parti! Le créateur Valouze, les gars! Voilà les amis, on va ouvrir ça, on va découvrir. Là c'est freestyle, clairement c'est pas une collection en particulier. C'est des boosters normalement qui étaient distribués quand t'achetais ta place de cinéma. T'avais des boosters offerts, enfin un booster. Donc ils ont fait une collection exprès pour le film. Je pense que ça va être des visuels un petit peu en mode 3D comme dans le film. En vrai je sais pas trop. Je connais juste le Pikachu détective. Est-ce que vous l'avez vu le film et qu'est-ce que vous en pensez? Franchement moi j'ai bien aimé, hein. J'avais été surpris. Allez, on ouvre le premier booster. Faut que je fasse attention parce que vu qu'il n'y a que deux cartes, bah ça peut très vite s'abîmer. Hop. Ok, on a une sorte de petit livret avec. Oh, c'est le livret de la collection du coup, ce qu'on peut avoir. Bah de ce qu'on voit, il y a du Pikachu. Oh, il y a un Dracaufeu GX, il y a un Mewtwo GX, Amphinobi GX. Et là, il y a des cartes. Je sais pas si c'est uniquement ça comme carte, sinon je me suis fait baiser clairement. On va découvrir ça. Hein. Attention, carte numéro 1. Oh! Pikachu détective en holographique. Et derrière on a... Ah, ça fait plaisir. Holographique aussi d'ailleurs. Ça fait plaisir parce que du coup, ouais, c'est pas une carte de la liste. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cartes. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Je t'avoue que j'ai eu peur. Hein. Très bien, premier booster, Pikachu détective. Je sais pas niveau rareté, etc. S'il est rare. C'est quelle année du coup? C'est quoi? C'est 2018? Non, 2019 le film. Ok. Vous le voyez là, 2019. Très bien, donc c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Les boosters, c'est environ, tu peux les choper à 5€ le booster. Ce qui est quand même un prix pour deux cartes. Hein. Ça fait 2,50€ la carte. Allez, on va voir du coup si le Pikachu est rare ou pas. Je sais pas s'il sera rare parce que au final, tu te dis, c'est quand même le Pokémon principal du film, quoi. Allez, je retourne comme ça, les amis. Hop, nous avons un Magikarp. Toutes les cartes sont holographiques ou quoi, là? C'est quoi ce délire? Très bien. Et hop! Oh bah, il est peut-être pas si rare que ça, en fait, hein. Je vais quand même lui mettre une sleeve. Après, si je me tape un Pikachu par booster, what the fuck? Je vais les mettre comme ça. Ok, bon, après, on veut du Dracaufeu GX. Hein. Hop, c'est parti. Let's go, qu'est-ce qu'on a? Oh, excellent holographique. Mais toutes les cartes sont holo, en fait. Très bien. Et nous avons, attention, un Pikachu ou pas? Mais en fait, il y a un Pikachu par booster ou quoi? C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. What the fuck? Bon, allez, hein, on va essayer d'avoir un Pikachu par booster, si j'en ai 20. Ça tombe vraiment, vu que c'est le personnage principal, il est pas rare. Hein. Alors là, je tape une barre si de nouveau j'ai un Pikachu. C'est parti! Oh! Salamèche! Holographique, en fait, toutes les cartes sont holo, vraiment. Un Salamèche, c'est sympa. Et attention, Pikachu ou pas? En fait, en gros, j'ouvre un booster pour juste avoir une carte que je connais pas. 4 Pikachu, les amis. Allez, booster suivant. L'écran il va être rempli de Pikachu. Bon, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, pour être honnête. C'est parti, nouveau booster. Ah, encore une fois le Salamèche. Et du coup, bon, je pense que le Pikachu, les amis, est dans tous les boosters. Ouais, je n'étais pas au courant. Donc, deux fois plus dur d'avoir le Dracaufeu. Ouais, ok. Bon, je viens de l'ouvrir, je vois encore un Pikachu. Très bien. C'est la pluie des Pikachu là, les gars. Ça va faire plaisir. Ok, bon, le Pikachu, en vrai, vas-y, je vais laisser plus tard. Je vais le mettre directement là. Et nous avons, attention. Oh, un Bulbizarre. Il est beau, hein. Très bien. Bon, bah, clairement, les gars, il n'y a plus de surprise. Ok. Moi, j'étais en mode, tiens, j'espère que je vais avoir Pikachu. Frère, en fait, je vais l'ouvrir comme ça, en fait. Je vais faire ça. Hop, et attention. Oh, oh, Bulbar. Snowball. Incroyable. Le fameux Pikachu. Très bien. Et nous avons, attention. Oh, de nouveau avec ses langues. En fait, c'est cela que j'aurais dû mettre à la place des Pikachu. Il n'y a pas de surprise, hein. Là, c'est juste pour mon kiff personnel. Pas de surprise. Pikachu, attention.
Magikarp de nouveau. La collection ne doit pas être si grande que ça. On commence déjà à taper des doublons. Pikachu, Bulbizarre de nouveau, très bien. Bon, on va aller vite, hein. Oh bah tiens, le petit Pikachu, et nous avons encore une fois le Bulbizarre. Là, je commence à avoir le seum, en fait. Là, je me rends compte que 5€ le booster, je me suis peut-être fait un peu baiser. Je pensais qu'il y avait deux cartes différentes. Non, il n'y a pas deux cartes différentes, il y a un Pikachu et une carte. Encore le Pika. Et hop, oh, Rondoudou, on l'a pas eu encore. On l'a pas eu, le petit Rondoudou. Il fait un peu peur, hein. Je vais pas être mytho. Ok, Pikachu. Attention, qu'est-ce que nous avons? Magikarp, super. Rondoudou de nouveau. Là, sur le truc qu'ils m'ont donné. Eh, franchement, il y a quand même de la carte rare à avoir, en vrai. Hein. On va essayer de la choper, hein, vraiment. Hein. Et même, là, il y a le Psycho Quack qu'on n'a pas eu. Il y a deux Pikachu, en fait, regardez. Il y a deux Pikachu, les gars. Bon, on va aller chercher le deuxième. J'avais pas vu, ça. Attention. Oh, Snowball. J'ai l'impression que je me suis fait pigeonner. Hop, le Bulbizarre, très bien. Hop, le Snowball, encore une fois, vas-y, je les pose comme ça maintenant, les Pika. Allez, allez, allez. Au moins une rare, là. Mais en fait, je me dis que les boosters sont tellement légers. 100%, là, c'est sûr à 100%. 100%, c'est pesé. C'est sûr. Pour le peu qu'il y ait une GX, ça doit se sentir. Là, si j'ai pas de GX sur tous ces boosters-là, frère, vas-y, arrête, arrête. En plus, je l'ai acheté tout au même vendeur. T'as pesé, frérot, t'as pesé. Je me suis fait 100% pigeon. Il a dû se dire, putain, il est trop con. Il est trop con. Il achète plein de boosters, il va avoir 1000 fois les mêmes cartes. Bah ouais, j'ai été con, putain de merde. C'est comme si, en fait, j'achetais des boosters McDo. Super. Ah, je me rends compte de ma connerie, les gars. Ah, je pensais que c'était une bonne idée. Hein. Moi, j'étais en mode, putain, c'est trop stylé, ça change. Des boosters du film, mais je vais faire ça en vidéo. Attention, Magikarp, super, on l'avait 4 fois. Dernier booster. Du coup, pas de Dracaufeu, pas de Mewtwo, pas de... Putain, j'ai le seum quand même en vrai, hein. J'aurais bien aimé avoir une petite GX. Mais là, j'y crois à zéro, hein. Sur 19 boosters, si j'ai pas une GX, c'est que je me suis fait clairement avoir. Attention, la dernière carte. Salamèche. Je me suis fait pigeon, les gars, je me suis fait clairement arnaquer. Bon, j'ai jamais eu autant de Pikachu de ma vie. Mais je me suis fait arnaquer là. Clairement, je crie au scandale, je me suis fait avoir. J'ai été naïf sur ce coup-là. Bon, bah comme quoi, tu vois, genre tout le monde peut se faire avoir. Hein. En aucun cas, bah j'ai pas regardé de vidéo, je me suis pas renseigné, j'ai juste vu des boosters du film, je me suis dit, trop stylé. Et pour être honnête, c'est quand je les ai reçus chez moi, je me suis dit, attends, il y a que 2 cartes dedans. Du coup, après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai encore un petit peu de chance pour essayer d'avoir, du coup, un maximum de la collection. Je savais qu'il y avait un Dracaufeu GX. Je savais pas, par contre, qu'il y avait un Mewtwo et qu'il y avait un Amphinobi. Mais clairement, avec 2 cartes, c'est pesé, frère. C'est pesé, c'est 100% pesé. Rien que ton paquet, quand tu as une GX, tu dois le sentir, tu vois. La carte est plus robuste. Je me suis fait pigeon, les gars. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, on a passé un bon petit moment, voilà. On a ouvert du Pikachu. On n'a pas eu le deuxième d'ailleurs, qu'on aurait peut-être pu avoir. Mais voili, voilou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Défoulez-vous dans les commentaires. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements. Je suis con. C'est pas possible. C'est pas possible, je suis con.